Là voilà, c'est les caissettes où il est en train de panacher les pièces. Donc un peu de bourguignon, un petit peu de côte, un petit peu de beefsteak, voilà, de manière à avoir plusieurs sortes de pièces dans la même caissette pour satisfaire son client. Aussitôt, les pièces emballées et identifiées sont stockées dans un frigo, tout en respectant bien la chaîne du froid. Un frigo à 3 degrés. Ce qui compte surtout dans un atelier de découpe, c'est de bien respecter la traçabilité. Tout ce qui entre dans un atelier de découpe doit être identifié, tout, et répertorié. De manière à ce qu'on ait un souci, qu'on puisse remonter grâce à cette fameuse traçabilité. Une fois par an, on procède à la tuerie, la fête d'Aïd el-Kébir, où on a un sacrificateur qui est nommé par une mosquée qui vient nous sacrifier les agneaux. Et nous, on fait tout ce qui est dépouille, pesée, chargement. Et voilà, ça se passe un jour par an. Sinon, après, il faut un agrément supplémentaire pour tuer du bœuf ou du veau, un piège spécifique. On n'est pas équipé pour. Donc, on verra peut-être dans les années à venir. Voilà, moi je suis commerçant de viande. Je vends la viande au boucher. Boucher, un peu de grande surface, mais surtout des bouchers. Voilà, et je fais tout type de viande, du bœuf, du veau, de l'agneau, du porc. Et maintenant qu'on a un atelier de découpe, on peut se permettre de faire du détail pour les bouchers toujours. Surtout en porc, jambon, longe, poitrine. Qui permet de faire du tonnage supplémentaire. Ça a changé, ça me permet de vendre des morceaux que je ne vendais pas, surtout pour faire du bétail au boucher, quoi, que je ne pouvais pas faire avant. Aujourd'hui, je peux le faire, surtout dans du porc. Je vous dis, en fin de semaine, les bouchers ont plus besoin de longe, de jambon, d'épaule, détail de cochon, pour prendre un cochon entier. Ils prennent ce qu'ils ont besoin pour venir la semaine. Il y a un abattoir d'Ambert, bah parce que sur la Loire, on n'a plus rien pour faire comme abattoir polyespèce. Or, Saint-Étienne est en train de fermer pour les abattages familiales. Donc, comme je ne suis pas très loin d'Ambert, bah on vient à Ambert. D'autant plus qu'ils ont créé leur petit atelier de découpe, ce qui me facilite la vie et qui permet de bien valoriser mes produits derrière. Avant, j'étais routier. J'ai tout plaqué pour venir m'installer ici, et puis de toute façon la vie maintenant il faut être un peu polyvalent, donc il n'y a pas de sous-métier, donc j'ai voulu essayer, puis je vois que ça tourne plutôt pas mal, et depuis je fais ça, quoi. En bas j'étais du côté de Marseille, donc plus dans le nord de Marseille, donc c'est pas du tout la même philosophie qu'ici, donc nous on recherchait un peu la tranquillité, chose qu'on a beaucoup moins en bas. Et puis pour élever le petit, on trouve c'est mieux de l'élever dans un environnement qui reste encore à peu près sain plutôt que de l'élever en bas. Quoi. Après, il sera toujours à temps plus tard de connaître les grandes villes. Après, c'est lui qui fera son choix plus tard, mais pour nous, ça nous convient parfaitement. Quoi. On a réorganisé l'écurie quand on m'a nommé responsable, c'est-à-dire qu'on a programmé des jours spécifiques de tuerie. Par exemple, le lundi, on tue du porc et du veau. Le mardi, on tue du bovin et de l'agneau. Le mercredi, on tue de l'agneau et du veau. Et le jeudi, on complète par du bovin et du porc. À savoir que le jeudi et vendredi, on a eu une toute dernière embauche. C'est un boucher qui nous fait de la découpe. La découpe qui sert beaucoup pour les particuliers. Qui font abattre leurs bêtes, donc de l'abattage familial qu'on appelle, qui font abattre leurs bêtes, qui la font découper pour mettre au congélateur, et certains agriculteurs qui font de la vente directe, à savoir que l'atelier de découpe, c'est un endroit où l'on ne transforme pas, on ne fait pas ni saucisson, ni saucisse, ni chipot, ni merguez, ni tout ça, c'est juste de la découpe, voire de la désosse, mais c'est tout.
Bon, alors un piège, c'est un appareil où on rentre la bête entière et elle est coincée pour qu'elle ne puisse pas se remuer. Et ensuite, elle est abattue sans pouvoir se débattre et sans risque de personne. Voilà, et c'est une sécurité. Ben, en principe, quand elles rentrent dans un abattoir, elles ne sont pas féroces, mais c'est des bêtes qui se sentent étrangères et qui ont peur, quoi, plus ou moins.